L'homme qui va nous entretenir ce soir durant ce voyage virtuel s'appelle Fernand Couëté, que vous connaissez tous. C'est un grand monsieur, c'est un master, mais aussi un passionné de l'opportunité non passive, qu'il présente avec professionnalisme et mais aussi avec enthousiasme. Distingués invités, votre devoir aujourd'hui est d'accorder une oreille attentive au Sieur Fernand pour la seconde phase. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je vous prie de bien vouloir accueillir chaleureusement notre top leader, Fernand Couëté, pour livrer les surprises de ce soir. Cher Fernand, vous avez la parole. Oui, leader Diegan, bonsoir. Donnez-moi juste une seconde. Voilà. Oui, voilà, bonsoir, leader Diegan, et bonsoir à tous ceux qui sont présents dans cette salle ce soir pour écouter, entendre parler de l'opportunité que nous avons à vous présenter cet après-midi. Merci de nous honorer de votre présence. Merci à tous les leaders et à tous les fondateurs qui ont bien voulu être présents sur la plateforme également pour accompagner leurs invités. C'est toujours un plaisir et ça fait toujours chaud au cœur de vous retrouver sur ce plateau pour présenter cette opportunité que nous appelons l'opportunité du siècle parce que il n'y a pas de pareil sur la toile. Nous allons aujourd'hui vous présenter une opportunité qui va vous accorder, qui va vous mener à l'indépendance ou à la liberté financière. Et comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes au 21e siècle et au 21e siècle, être pauvre ou être riche est devenu un choix. Donc, si vous m'écoutez aujourd'hui, que ce soit à travers une vidéo sur YouTube, ou que ce soit en direct sur Zoom, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Si vous êtes encore dans un état, je veux dire financièrement, dans un état précaire, sachez que c'est un choix. Et aujourd'hui, après cette présentation, vous pouvez également faire le choix de sortir de là. Parce que la compagnie que nous allons vous présenter ce soir, c'est une compagnie qui vous garantit le succès. Ça, c'est des mots ou des termes qu'on n'utilise pas très souvent. Garantie. On Passive, c'est le nom de la compagnie. Ompassive. C'est ça le nom de l'entreprise. Et cette entreprise est en train de tendre la main à tout le monde entier. Et cette entreprise est en train de garantir le succès. Ça va sembler peut-être trop beau pour être vrai. Mais je vais vous dire ceci. Écoutez-moi attentivement. Les opportunités là-dehors, nous savons que vous en avez rencontré. Et très souvent, quand on parle d'opportunités, on finit toujours par vous rouler dans la farine. On vous dit, venez investir, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et quand vous avez déjà investi tout ce que vous avez, vous vous rendez compte que il vous faut absolument recruter des gens pour gagner de l'argent. Avec un passif, vous n'êtes pas obligé de recruter. Vous pouvez parler à vos bien-aimés, vous pouvez parler à votre famille, mais vous n'êtes pas obligé pour ce qui est de gagner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Ça ne conditionne pas votre succès. De deux, les opportunités, très souvent, nous obligent de revenir payer des auto-ships chaque mois. C'est-à-dire que chaque mois que vous ayez gagné de l'argent ou pas, vous devez sortir de l'argent de vos poches pour continuer à payer la compagnie. Avec un passif, c'est totalement différent. Et également, la plupart des opportunités, si vous leur posez la question de savoir, qu'est-ce que vous vendez en fait? C'est quoi votre opportunité? Ils vont vous faire naviguer dans les nuages. Ils vont vous faire flotter en vous disant, oui, vous achetez des packages et quand vous avez acheté ces packages-là, ça va vous faire gagner 1% par jour. Et si vous recrutez des gens, vous allez gagner 10% sur leur investissement, ainsi de suite, ainsi de suite. En réalité, ces compagnies, ces entreprises ou ces opportunités-là n'ont pas de produit. Ils n'ont rien de réel, rien de concret. C'est juste la vente du rêve. C'est juste l'abstrait. C'est la bulle. Avec un passif, c'est différent. Nous avons ici affaire à une compagnie qui existe, qui a été réellement enregistré sur le terrain en respectant les normes américaines, parce que c'est une compagnie américaine. Elle est enregistrée dans l'État de Floride et toutes les normes américaines ont été respectées. La compagnie, dès son lancement,
a recruté une firme d'avocats qui les tient par la main et leur permet de traverser tout le processus, les accompagne sur chaque étape du processus. Voilà, voilà OnPassive. Et OnPassive a à sa disposition et à la disposition de l'humanité des produits légitimes et viables. Produits légitimes comment? C'est-à-dire des produits qui respectent les normes de la légalité également dans tous les pays où ils peuvent s'utiliser. Et les produits d'OnPassive vont s'utiliser dans tout le monde entier. Il n'y a pas un seul pays sur la Terre qui n'aura pas besoin des produits de OnPassive. Et c'est des produits viables, pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont indispensables aux entités que je vais citer tout à l'heure ou même tout de suite. C'est indispensable au fonctionnement des gouvernements. C'est indispensable au fonctionnement des business. Et c'est même indispensable dans notre quotidien. Vous allez tout à l'heure avoir les détails sur tout ce que nous avons prévu pour vous sur cette compagnie. Mais avant cela, je reviens sur la première phrase ou les premiers termes que j'ai utilisés en début de cette présentation. J'ai dit que la pauvreté ou la richesse aujourd'hui est un choix. Quand nous rentrons dans l'histoire, pour ceux qui ont été déjà sur ce plateau les semaines antérieures, je ne vais pas revenir sur ce que j'avais déjà dit, mais comprenez que dans le temps, il était question, lorsque vous naissez, de subir votre entourage, de subir le milieu dans lequel vous êtes né. Si vous êtes né dans une famille riche, vous êtes destiné à la richesse. Si vous êtes né dans une famille pauvre, vous êtes destiné à la pauvreté. C'est la raison pour laquelle on reconnaissait, dans l'histoire, on reconnaissait, par exemple, des familles prolétaires. On reconnaissait des familles industrielles. Vous voyez un peu, c'était une question de chance. Il y en a, on disait, ceux-là sont nés avec une cuillère d'or dans la bouche. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il est une question de choix. Très récemment, enfin, pas très, très récemment, jusqu'à un certain moment, lorsque nous regardons, nous parlons, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'entreprise. Et cette entreprise que nous mettons en exergue, c'est OnPassive. Mais dans l'histoire même des entreprises, vous allez constater que la chance n'était pas donnée à tout le monde. Ce n'était pas une chance égale pour tous. Il fallait encore être nanti d'un certain niveau financier. Une certaine quantité de cash devait être dans votre compte bancaire ou dans vos avoirs. Vous deviez avoir des avoirs qui s'élèvent jusqu'à un certain niveau pour bénéficier de ce que nous avons appelé, par exemple, les offres d'actions. On a parlé aux États-Unis pendant cette période-là des IPO. IPO, ça veut dire Initial Public Offering. Ça se passait comment? Lorsque une entreprise était créée, elle avait sa vision, elle avait sa feuille de route. Et l'entreprise avait besoin des finances. Et qu'est-ce que l'entreprise faisait? L'entreprise faisait le IPO pour financer son projet. Dans le IPO, l'entreprise se chargeait donc de mettre une quantité d'actions en bourse. C'est ça qu'on appelait aller public. Comme Facebook est allé public, Apple est allé public, Google est allé public. Donc, pendant ce processus, l'entreprise ouvre certaines actions que le public peut acheter. Et pour acheter ces actions-là, ce n'était pas donné à tout le monde. Aux États-Unis, par exemple, je suis résident aux États-Unis, je connais mieux les lois aux États-Unis qu'ailleurs. Je ne sais pas comment ça se passait ailleurs. Mais pour acheter les IPO aux États-Unis, il fallait avoir dans votre actif au moins $1 million. Et si vous n'avez pas $1 million, vous devez démontrer au gouvernement américain que les deux dernières années, vous avez eu un revenu d'au moins $250 000. Voilà comment ça se passait. Ainsi, vous étiez qualifié donc pour acheter les actions dans une compagnie. Quand je parle de IPO, ça, c'est des actions lorsque la compagnie n'est même pas encore vraiment connue. Donc, vous comprenez que c'était la chasse gardée de quelques personnes.
Donc, c'est les riches qui continuaient de s'enrichir. Lorsque une importante information comme celle-là était venue en existence, les riches chuchotaient entre eux. Ils se parlaient entre eux. Et le petit peuple, le citoyen moyen, n'avait pas l'information. Et même s'il avait l'information, il n'avait pas les moyens d'y participer. Parce que comment est-ce qu'il allait faire pour avoir un revenu de 250 000 $ pendant 2 années consécutives? Ou alors avoir dans son actif au moins 1 million de dollars? Ça peut être dans l'immobilier ou n'importe quoi. C'était difficile. Et le premier IPO a eu lieu, je crois, c'était chez les Néerlandais dans les années 1600, je crois 1602. Je laisse tomber ceci très récemment. En 2013, la chose a basculé. On a commencé à parler des ICO, Initial Coin Offering. Là, c'est quand la blockchain est née. Et c'est ainsi qu'on a pu voir des compagnies comme Mastercoin qui est venue et qui a fait le premier ICO et qui a pu faire une levée de fonds pour financer son projet. Dans le ICO, qu'est-ce qui se passe? La compagnie a déjà conçu son projet et a besoin aussi des investisseurs. Et qu'est-ce que cette compagnie fait? Elle va créer une monnaie qu'elle va offrir au public et le public va acheter, va investir contre une quantité de cette monnaie-là. Là, maintenant, c'était ouvert à tout le monde, ouvert au public. Les gens se sont enrichis, mais malheureusement, ce n'était pas bien régulé et beaucoup de gens également ont perdu de l'argent. Je suis de ceux qui ont gagné de l'argent et qui ont perdu aussi beaucoup d'argent dans les ICO. Ça a commencé en 2013 et en 2018, ça a connu vraiment un grand essor. Le ICO, c'était également un échec. Pourquoi? Parce que ces compagnies qui faisaient ces offres-là n'avaient pas beaucoup de régulation, ce qui fait que beaucoup d'escrocs se sont infiltrés. Des gens ont présenté de faux projets. C'est vrai, on a gagné de l'argent, mais c'était aussi quelque chose qui n'a pas marché correctement. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre ici? Je voudrais ici vous faire comprendre que toutes ces entreprises ont toujours eu besoin du financement. Et dans un premier cas, c'était ouvert aux riches. Dans un deuxième cas, c'était ouvert aux pauvres. Mais malheureusement, quand c'est ouvert aux pauvres, il n'y a pas les régulations gouvernementales et les pauvres ont perdu de l'argent. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une entreprise qui n'a pas besoin de faire des levées de fonds. Une entreprise qui n'a pas besoin de vous demander de venir comme investisseur et de mettre des fonds dans cette entreprise ou dans ce projet. Ça s'appelle OnPassive. OnPassive, c'est une entreprise qui a été créée en 2018. C'est une entreprise américaine enregistrée en Floride. Et cette entreprise est à 100% financée par le PDG lui-même, l'initiateur du projet. Qui est ce PDG? Ce PDG, c'est un monsieur qui a étudié, qui a fait ses études en informatique et après son master, il a décidé d'aller se spécialiser dans l'une des grandes universités américaines qui s'appelle Harvard. Il est sorti de Harvard avec des spécialisations dans des domaines comme le e-commerce, c'est-à-dire marketing en ligne, où on peut vendre, ouvrir des boutiques en ligne. Il s'est spécialisé dans des domaines tels que acquérir la clientèle, ce qu'on appelle le trafic. Il s'est spécialisé dans les domaines tels que l'intelligence artificielle. Il s'est spécialisé dans plusieurs domaines. Et la raison pour laquelle il a décidé lui-même de créer son entreprise, c'est parce qu'il a vu des échecs dans le monde du business en ligne. Il a travaillé comme employé, comme manager, comme vice-manager quelque part pendant des années. Et ça ne lui a pas plu parce qu'il s'est rendu compte que c'est de l'esclavage moderne. Il a décidé d'aller en ligne et de faire la promotion des entreprises. Il a fait dans le marketing en ligne, il a fait dans le MLM, c'est-à-dire marketing de réseau. Il a fait également dans le marketing d'affiliation. Seulement, comme c'était un spécialiste, un homme assez outillé, il a gagné des millions et des millions de dollars. Malheureusement, ceux qui le suivaient n'ont pas gagné de l'argent. Malheureusement, la plupart des entreprises qu'il a promues sont tombées. Et ça l'a choqué. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'humanité? Qu'est-ce que je peux faire pour réduire le gouffre
entre le riche et le pauvre. Qu'est-ce que je peux faire pour participer à éradiquer la famine dans le monde? Parce qu'aujourd'hui, on parle de près de 800 millions de personnes qui partent au lit le soir sans avoir mangé quelque chose. Et c'est ainsi que M. H. Moufaré, c'est ça son nom, H. Moufaré, il a décidé donc de créer On Passive. Et quand il a créé On Passive, ayant déjà gagné suffisamment d'argent, il s'est décidé de financer cette entreprise avec la fortune personnelle de Moufaré. Et c'est ainsi que nous qui arrivons aujourd'hui, nous rencontrons une famille ou alors une entreprise qui n'a pas besoin de financement. Aujourd'hui, nous sommes à 3 ans de création de l'entreprise. L'entreprise n'a aucune dette. L'entreprise n'a fait recours à aucun crédit bancaire. L'entreprise a déjà dépensé des dizaines et des dizaines de millions pour développer ses produits et n'a jamais emprunté un seul sou à qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous n'allons pas faire de IP aujourd'hui, nous n'allons pas faire de IC aujourd'hui, parce que l'entreprise n'a pas besoin de susciter des fonds pour financer son projet. Le projet a été déjà financé, le projet est déjà presque complété, presque achevé, et le projet n'attend que d'être lancé officiellement dans quelques semaines seulement. Donc, vous arrivez au bon moment et vous arrivez au bon endroit. On Passive. C'est quoi On Passive? On Passive, c'est une entreprise qui fait dans l'informatique. Et son rôle, son travail est de développer des produits informatiques, des produits digitaux, des produits que l'entreprise va mettre à la disposition du monde entier. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est en train de tourner vers le digital. Tout est digital, ou presque tout. En ce moment où vous me regardez en direct, vous m'écoutez, c'est à travers un produit digital que vous m'écoutez. Ça s'appelle Zoom. Le matin, je suis sûr que beaucoup d'entre vous, dès leur réveil, ont ouvert, ont pris le téléphone et ont cliqué sur une application, peut-être WhatsApp, ou alors Facebook, ou alors Instagram, ou alors TikTok, ou alors Snapchat. N'importe quelle application que vous avez cliqué dessus, c'était un produit digital. Et quand vous regardez votre téléphone, essayez d'allumer votre téléphone et vous regardez le tableau de bord de votre téléphone, l'écran d'accueil. Sur l'écran d'accueil, si vous n'avez pas beaucoup d'applications qui arrivent avec votre téléphone déjà installé, vous aurez peut-être une trentaine. Ça, c'est le minimum. Sans compter ce que vous-même vous avez installé. Il y en a parmi nous qui ont plus de 50 applications sur leur téléphone. C'est ça que nous appelons produits digitaux. Ces applications, ces sites web, ces plateformes web que nous utilisons au quotidien pour accomplir des tâches, pour envoyer des emails, pour envoyer des vidéos, pour envoyer des informations, bref, pour communiquer, pour passer les données. Ces plateformes-là s'appellent le digital. Donc, comprenez que On Passive, c'est cette entreprise qui a décidé de faire dans le digital. C'est cette entreprise qui a décidé de créer des produits digitaux qui répondent aux besoins de l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je parle ici particulièrement de ceux qui utilisent la connexion Internet. Nous avons aujourd'hui une population mondiale qui approche les 8 milliards d'habitants. Nous avons aujourd'hui, parmi les 8 milliards, une population qui approche déjà les 5 milliards lorsqu'on parle de l'Internet. Donc, nous avons près de 4,5 milliards et 5 milliards d'internautes. Pardonnez la répétition. Donc, vous comprenez que On Passive, ces produits qui sont digitaux sont des produits qui seront mis à la disposition de presque toute l'humanité. Comprenez donc que c'est une entreprise qui va servir la planète, qui va servir le monde. Et ces produits-là, c'est quoi? Il s'agit des produits, comme je vous ai dit, qui répondent à tous les besoins. Lorsque vous regardez dans le domaine du marketing, pour ceux qui comprennent le marketing, vous allez voir que le marketing est devenu quelque chose aussi de très, très digitalisé. Et ceci part depuis votre présence en ligne jusqu'à la commercialisation. Quand je parle de présence en ligne, je veux faire allusion ici, par exemple, à la création d'un nom de domaine.
Je veux faire ici allusion à la création d'un site web. Pour avoir un site web, vous devez passer d'abord. La première étape, c'est la création d'un nom de domaine, c'est-à-dire la construction de, la conception de votre bâtiment. À quoi c'est ça presque la maquette physiquement. Le nom de domaine, c'est quoi? Lorsque vous allez, par exemple, je prends des exemples pour qu'on aille plus vite, pour que je n'ai pas trop à expliquer. Quand vous pensez à Facebook, vous allez sur le web, vous allez taper facebook.com. Facebook.com, c'est ça le nom du domaine. Vous allez taper onpassive.com, c'est ça le nom du domaine. Et voilà comment ça commence, voilà là où ça commence, un nom de domaine. Ensuite, vous avez besoin de le construire et de l'abriter, un peu comme si vous déposiez, vous construisiez un bâtiment sur un terrain déjà travaillé, déjà arrangé. C'est la même chose dans le domaine virtuel, qui est le domaine de l'Internet. Donc, la plupart des entreprises existent sur Internet. Et ces entreprises-là ont besoin d'un outillage pour fonctionner, pour faire des profits. Et cet outillage-là, c'est tout un arsenal. On passe à créer tout cet arsenal-là nécessaire au fonctionnement des entreprises. Et on ne se limite pas seulement aux entreprises. On passe cette étendue sur un large spectre. On passive va satisfaire les individus, comme vous et moi. J'ai parlé tout à l'heure des applications, n'est-ce pas? Nous, en tant que personnes, en tant qu'individus, nous avons besoin au quotidien de ces applications. On passive va fournir le matériel digital aux entrepreneurs. J'en ai parlé tout à l'heure. On passive va fournir le matériel digital aux organisations. Nous voyons l'ONU aujourd'hui qui essaie de réduire le nombre de ses réunions. Et puis même pendant le confinement, pendant la pandémie, l'ONU ne tenait plus des réunions, n'est-ce pas? Et pas seulement l'ONU, toutes les organisations ne tenaient plus des réunions physiques. Tout se passait en ligne, tout se passait de manière virtuelle. Et ça continue activement. Les gouvernements auront besoin des outils de OnPassive. Les groupes auront besoin des outils de OnPassive. Donc comprenez, en bref, que tous ceux qui utilisent l'Internet auront besoin des produits de OnPassive. Il est impossible d'utiliser l'Internet et ne pas avoir besoin des plateformes web, ne pas avoir besoin des applications. C'est totalement impossible. Pourquoi? Parce que l'Internet n'est que le support sur lequel on va déposer les applications et toutes ces plateformes-là. Donc, OnPassive apporte une solution totale à l'Internet. C'est la solution digitale pour tous ceux qui utilisent la connexion Internet. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que ce sont des produits viables, c'est-à-dire des produits nécessaires, des produits, parfois même pour certaines entités, c'est des produits indispensables, donc les produits sans lesquels ces entités-là vont mourir. Je pense par exemple au business, parce qu'aujourd'hui, si vous avez un business et vous n'avez pas une représentation en ligne, vous êtes voué à l'échec. C'est pour cela donc que je dis que ce sont des produits indispensables. Mes chers amis, mes chers frères, OnPassive a créé donc quoi comme produit? OnPassive, je vais prendre quelques exemples et je vais m'appuyer sur ce que vous connaissez déjà. Nous avons ici une plateforme qui s'appelle Zoom. C'est ce que nous sommes en train d'utiliser. J'aime très bien cet exemple parce que personne ne va dire « je ne connais pas Zoom », à moins que vous soyez en train de regarder cette vidéo en différé sur YouTube. Mais pour ceux qui sont en direct, vous êtes connectés sur Zoom. Zoom, c'est quoi? Zoom, c'est cette entreprise qui s'est créée il y a de cela quelques années seulement et qui a décidé d'offrir ses services, particulièrement dans le domaine des visioconférences. Donc, si vous voulez faire des conférences comme celles que nous sommes en train de faire en ce moment-ci, des conférences visuelles, alors vous avez besoin des applications comme Zoom, vous avez besoin des applications comme GoToWebinar, vous avez besoin des applications comme WebinarJam, vous avez besoin des applications que nous retrouvons également sur Google, sur Microsoft et autres. On a besoin de ces applications-là. OnPassive a aussi créé une plateforme qui est assimilable à celle que je viens de citer. Ça va s'appeler ou ça s'appelle OConnect parce que l'application est déjà créée. L'application n'attend que le lancement pour donner accès au public. OConnect va arriver sur le marché et va faire la différence. OnPassive a également créé
des applications, je veux dire, a également créé une plateforme qui répond aux besoins de la communauté. Quand je parle de la communauté, je fais ici allusion aux plateformes telles que Google, Instagram, TikTok, Twitter, Pinterest, ces structures, je veux dire, ces applications qui font dans les réseaux sociaux. Donc, OnPassive a également une plateforme qui est une combinaison de plusieurs réseaux sociaux en un seul, sur une seule plateforme. C'est à ce niveau que OnPassive va battre aussi la concurrence. Pourquoi? Parce que dans les réseaux sociaux, on va prendre un à gauche, on prend un à droite et puis on combine pour avoir le tout. Avec OnPassive, nous allons avoir une plateforme qui s'appelle Onet. Onet va nous apporter, c'est une combinaison de ce que nous allons chercher à gauche et à droite. Et il y a également des fonctionnalités de Onet qu'on ne trouve nulle part. Donc, Onet va arriver comme étant la correction des réseaux sociaux. Et ça, je pèse mes mots. Également, nous avons d'autres plateformes qui font dans d'autres choses. Si vous, j'ai parlé du marketing tout à l'heure, nous avons tout un arsenal qui répond à tous les besoins du marketing. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le email marketing, nous avons la plateforme. Vous voulez créer un site web, nous avons la plateforme pour concevoir le nom du domaine. Nous avons la plateforme pour vous créer un site web. Nous avons la plateforme pour vous héberger votre site web. Et nous avons des plateformes qui vont ravitailler vos sites web en contenu comme vous voudrez. C'est la solution totale. Après cela, si vous voulez, par exemple, la clientèle, ce que nous appelons, par exemple, le trafic, ça, c'est les termes du marketing, nous avons une plateforme qui va vous donner le trafic. Et ce sera un trafic automatique. Donc, comprenez, par exemple, une entreprise qui est ici en train de traiter avec OnPassive, qui utilise les produits de OnPassive et qui obtient les clients de manière automatique, sans remuer le petit doigt, sans souffrir. Comprenez que ces entreprises-là auront un recours, vont aller vers OnPassive comme on court vers l'or, comme on faisait la ruée vers l'or dans le siècle dernier. Donc, voilà. OnPassive, donc, va se distinguer. Je veux dire, ces produits vont se distinguer des produits de la compétition commun. Vous savez que tout ce que je viens de vous citer, il y a un équivalent déjà sur le marché. C'est vrai que OnPassive a également des produits qui n'existent pas encore sur le marché, mais quand nous parlons de ces équivalences-là, lorsque vous prenez OConnect, vous vous rendez compte qu'il y a la compétition, il y a sur le marché, il y a Zoom, il y a Webinar Jam et autres tels que j'ai décrit tout à l'heure. Vous prenez Onet, vous voyez comment Facebook est déjà solidement installé. Vous voyez comment Instagram est une puissance. Vous regardez TikTok, vous dites « Waouh, qu'est-ce qui va venir déclasser TikTok ?» Lorsque vous regardez, vous prenez par exemple le email marketing pour ceux qui font dans le marketing. Vous prenez le email marketing. Vous vous rendez compte que les compagnies comme GoResponse sont déjà puissamment installées et qui ont déjà sécurisé un nombre de clients. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que OnPassive va donc faire pour se différencier? Qu'est-ce que OnPassive va faire pour survivre dans cette course-là ou dans cette jungle, je vais appeler ainsi? Voici ce que OnPassive a fait et va faire. OnPassive, lorsque OnPassive crée ses produits, je prends ceci du PDG, il dit, lorsque nous créons un produit, nous nous rassurons que le produit a au moins 5 ans d'avance sur ce qui est déjà sur le marché. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que OnPassive est en train d'utiliser la dernière révolution technologique qui s'appelle l'intelligence artificielle. La plupart de ces entreprises que vous voyez sur le marché, sur le terrain, ces entreprises ne connaissent pas, enfin pas que ne connaissent pas, mais ces entreprises n'utilisent pas cette technologie. Beaucoup d'entre elles sont en train d'intégrer cette technologie dans leur vieille plateforme. Et vous voyez la différence entre celui qui crée un produit et qui le construit, qui le code, qui le développe de bout en bout avec une technologie intégrée, la différence entre cette entreprise-là et une autre entreprise qui est en train plutôt d'essayer
de jongler, d'essayer d'incorporer ce qui vient d'arriver pour avoir une version hybride, pour avoir une version qui ressemble quand même à quelque chose. C'est complètement différent. Avec l'intelligence artificielle, les entreprises, quand je dis les entreprises, je parle des utilisateurs des plateformes de OnPassy. Ces utilisateurs ont une valeur que le monde n'a encore jamais connue. Quand je vous dis, par exemple, que les entrepreneurs, ceux qui font dans le marketing, ils vont avoir de la clientèle sans transpirer. C'est grâce à cette technologie de l'intelligence artificielle. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est juste une machine technologique, une machine virtuelle qui a été développée par des informaticiens et qui joue un rôle de robot et d'automatisation. Cette machine fait quoi? Cette machine va sur le web, scanne l'Internet, collecte les données, collecte les informations, les groupe ensemble, les met ensemble, les brasse et nous produit les résultats, nous produit tout ce que nous lui demandons. Et ceci se passe de manière automatique. Donc, d'un moment à l'autre, lorsque les produits de OnPassy sont lancés officiellement dans le monde, nous allons voir des entrepreneurs qui ne remuent plus le petit doigt, mais qui sont plutôt débordés par la clientèle. Vous savez ce que ça veut dire acquérir un client aujourd'hui? Pour obtenir un client, on transpire, c'est difficile. Il faut faire de la publicité, il faut faire le bouche à oreille, il faut se plier en quatre devant les clients déjà existants pour qu'ils aillent attirer d'autres clients. Nous avons ici quelque chose d'assez innovant, l'intelligence artificielle. C'est le dernier cri de la technologie dans le domaine de l'informatique. Cette technologie-là va acquérir de la clientèle pour des gens automatiquement. Et vous, qui êtes des utilisateurs, des simples personnes, l'intelligence artificielle également va apporter une très grande valeur dans votre vie. Dans l'utilisation de ces produits, vous allez voir la différence entre les Facebook, entre telle ou telle compagnie et les produits de OnPassy. Parce que cette technologie est incorporée. Les développeurs de OnPassy ont allié cette technologie aux plateformes depuis la conception. Également, il y a quoi d'autre? Peut-être que je me suis beaucoup attardé sur la technologie qui distingue OnPassy des autres entreprises de renom qui constituent la compétition que nous allons rencontrer sur le marché. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en jeu ici. Ce n'est pas seulement la technologie. En plus de la technologie, il y a également les fonctionnalités des produits de OnPassy. Je vous ai dit tout à l'heure que OnPassy avait une plateforme qui s'appelle Onet. Et Onet avait des fonctionnalités que les réseaux sociaux en général n'ont pas. Et ce n'est pas seulement pour Onet, c'est également pour beaucoup d'autres produits de OnPassy. Ces fonctionnalités-là vont distinguer OnPassy des autres entreprises parce que pour celui qui utilise déjà un produit, lorsqu'il va donc comparer ce produit-là avec le produit d'OnPassy, il va se rendre compte que le premier produit qu'il utilisait, s'il avait 15 fonctionnalités, OnPassy va arriver avec 25, 30, 40 fonctionnalités. Et ceci apporte une autre valeur et une plus-value son produit, je vous l'ai dit. En plus des fonctionnalités, nous avons la simplicité. Quand je dis simplicité, je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre de quoi je parle, mais la simplicité est un facteur très, très important dans la conception des produits digitaux. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous regardons sur le web, nous avons encore l'exemple de Zoom qui est arrivé il y a juste quelques années. Zoom a rencontré sur le terrain la plupart des plateformes que vous connaissez qui existaient déjà. Je prends l'exemple de Skype parce que si vous avez un certain âge aujourd'hui, vous connaissez Skype. Skype, c'est la compagnie qui faisait vraiment dans les vidéoconférences et qui dominait le marché. Mais Zoom est arrivé. Grâce à sa technologie et à sa simplicité, Zoom a pu déclasser, a pu dégager une compagnie comme Skype. Zoom est aussi simple que ça. Vous cliquez simplement sur le lien, vous mettez votre adresse email et boum, vous êtes là-dedans. Mais seulement, Zoom rencontre également beaucoup d'autres failles que OnPassy est venu ici combler. OnPassy a cette simplicité et OnPassy également a la qualité de l'image. Quand vous me regardez,
Peut-être que je suis un garçon naturellement beau, mais regardez ma laideur sur les écrans de Zoom. Vous allez constater que quand on passe, il va lancer au Connect. Je vous assure, vous n'allez pas reconnaître Fernand parce que ce sera des images 3D et aucune autre entreprise sur le marché n'offre encore des images 3D dans ses vidéoconférences. Les fonctionnalités qu'il y a dans O-Connect, je ne vais pas me mettre ici à citer toutes ces fonctionnalités, c'est tellement vaste, au point que O-Connect va même être utilisé pour enseigner des gens. Il est vrai que nous avons une autre plateforme qui fait dans l'enseignement, mais pour quelqu'un qui voudrait utiliser O-Connect pour enseigner, comme nous voyons aujourd'hui, des enseignants qui, à partir des universités ou des écoles, dispensent des cours en utilisant Zoom. Les fonctionnalités permettent vraiment d'enseigner avec O-Connect parce que Zoom n'a pas été conçu en ayant en tête l'idée du confinement ou de la pandémie que nous venons de connaître. Lorsque les écoles ont commencé à utiliser Zoom, Zoom même était surpris parce que Zoom avait conçu son produit pour autre chose. Mais OnPassive a conçu O-Connect en ayant à l'esprit que les enseignants peuvent utiliser. Là, je vous assure, c'est quelque chose de gigantesque. Il y a également la sécurité, le côté sécurité. La plupart des plateformes qui sont sur le marché souffrent des problèmes de hacking. Les pirates rentrent dans les plateformes. Les pirates sont en train de hacker les systèmes. OnPassive a un niveau de sécurité suffisamment élevé. Et nous parlons de cryptage de bout en bout. Tous les produits de OnPassive sont cryptés de bout en bout. Ça, c'est le dernier niveau de sécurité. Peut-être pas le dernier, parce qu'il y a également les niveaux de sécurité que OnPassive a alignés dans ses produits. Il y a plus que cela, plus que le cryptage. Donc, OnPassive est, selon les chercheurs, l'une des compagnies les plus sécurisé au monde en ce moment. En plus de cela, il y a également le côté traduction. OnPassive a des plateformes telles que O-Connect qui traduisent pendant que nous sommes en train de faire nos conférences. Lorsque je parle ici en français, il y a des gens, si j'utilisais O-Connect, j'aurais pu inviter des gens de toute nationalité. J'aurais pu envoyer le lien d'invitation où nous, fondateurs, nous aurions pu envoyer les liens d'invitation à tout le monde entier. Et les gens allaient se présenter, j'allais parler en français, mais la plateforme allait traduire pour eux. Ils pourront avoir la traduction en anglais, en espagnol, en mandarin, en portugais, quelle que soit la langue officielle de leur pays, ils pouvaient avoir la traduction. Malheureusement, Zoom est limité à ce niveau-là et OnPassive arrive pour damer le pion à tous ceux qui ont encore ces faiblesses-là sur le marché. Il y a au-dessus de cela, il y a le prix. OnPassive arrive avec un prix cassé. Vous savez que pour ce qui est des produits, pour ce qui est du marketing, le prix est un facteur très, très déterminant. Si vous avez devant vous deux entreprises, vous utilisez déjà les produits de l'une des deux entreprises et ce produit-là, vous le payez très, très cher. Vous payez l'abonnement très, très cher. Et quelqu'un d'autre se présente avec un produit de meilleure qualité, un produit avec une technologie nouvelle, un produit qui va vous apporter, qui va multiplier vos résultats par 10, par 100, par 1000 et qui vous dit que vous allez payer juste une fraction du prix de ce que vous payez déjà. Mais attends, qu'est-ce que vous allez faire? La première des choses, ce sera d'aller tester ce produit et de voir si on dit vrai, n'est-ce pas? Et voilà là où OnPassive va encore battre la compétition. Parce que OnPassive va donner à tous ses utilisateurs un accès gratuit à ses produits pendant un bout de temps, pendant au moins 7 jours. Tout le monde aura accès à ces produits-là gratuitement et sans limite et à tous les produits. Ça va leur permettre de découvrir et de comprendre. Voilà quelques éléments seulement, parce que je peux faire toute une autre concurrence pour démontrer comment OnPassive va devenir premier mondial. Voilà quelques éléments seulement qui peuvent vous permettre de comprendre que OnPassive est mieux placé pour damer le pion à la compétition, à quiconque se met sur son chemin. Donc, lorsque OnPassive va lancer officiellement, comme nous avons l'habitude de dire,
le monde de l'Internet va être secoué. Il y aura un tremblement de l'Internet, entre guillemets, et tout le monde entier saura qu'un nouveau shérif est dans le coin, un nouveau shérif est arrivé dans la ville. Voilà OnPassive, voilà ce qu'OnPassive est capable de faire. Je ne vais pas ici vous parler de tous les produits d'OnPassive, parce qu'OnPassive en a plus d'une cinquantaine. Et tous ces produits-là, lorsque nous les observons, nous les étudions, nous nous rendons compte que tous les produits sont robustes, puissants, et chaque produit peut être mis individuellement et peut être conçu comme étant une entreprise. Vous voyez que tout à l'heure, j'ai parlé de Zoom, qui est un seul produit, et j'ai donné sa correspondance. J'ai parlé de Facebook, qui est un seul produit, et j'ai donné sa correspondance. J'ai parlé de GetResponse, qui est un seul produit. Et toutes ces entreprises, c'est des entreprises qui brassent des milliards de dollars par an. Et quand nous nous rendons compte que OnPassive a tous ces produits-là sous une seule bannière, sous un seul parapluie, vous comprenez donc qu'en réalité, OnPassive est comme la combinaison de 50 entreprises, de 50 puissantes entreprises. Donc, vous voyez dans quoi vous êtes en train de vous mettre aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs. Ceci, c'est du lourd. Et on n'a jamais rencontré une compagnie dans le monde entier, dans toute l'histoire du marketing ou du commerce. On n'a encore jamais rencontré une entreprise qui est en train de faire ce que OnPassive fait. OnPassive a créé tous ces produits-là et les a tous intégrés et leur donne une porte unique d'entrée, all in one. Nous avons une entreprise qui a essayé de faire cela avec quelques produits et son propriétaire est devenu l'homme le plus riche au monde pendant plus de 10 ans. Il s'agit de M. Bill Gates. Bill Gates avec Microsoft a combiné plusieurs produits qu'il a mis sous le même parapluie et nous avons vu ce que ça a fait de Bill Gates. Aujourd'hui, nous avons une entreprise qui a plus de 50 produits sous le même parapluie. Donc, vous comprenez que OnPassive est en passe de devenir la locomotive mondiale. Mes chers amis, ne ratez donc pas son train. Ne ratez pas le train de OnPassive. Comment est-ce que OnPassive va faire de l'argent? Déjà, je vous ai dit, je ne peux pas vous parler de tous les produits. Tout à l'heure, après la présentation, je vous invite à aller sur le site, à aller sur le site web de OnPassive. Ça, c'est onpassive.com. S'il vous plaît, qu'un leader poste le lien dans le chat. Onpassive.com. Lorsque vous allez visiter ce site-là, vous pourrez avoir accès, n'est-ce pas, à la description de la plupart des produits qui ont déjà été créés. Vous pourrez cliquer dessus, voir les détails, comprendre ce que ces produits sont, comprendre ce qu'ils vont faire, comprendre ce que c'est. Mais passons à autre chose. OnPassive va faire de l'argent comment? Et où ira cet argent? Ça, c'est le plus important et je pense que c'est la raison principale pour laquelle vous êtes sur cette plateforme ce soir. Voici comment OnPassive va faire de l'argent. Déjà, il y a plusieurs canaux d'entrée d'argent pour OnPassive. Ce ne sera pas seulement deux, mais je vais parler de deux canaux. Le premier canal, ce sera par la vente de ces produits. Je vous ai dit qu'OnPassive a des produits légitimes et viables. Ce n'est pas une opportunité qui vous dit, venez investir, achetez un package d'un million de francs ou bien de 2000 dollars ou de 5000 dollars et puis vous allez gagner de l'argent. Non, OnPassive ne vous demande même pas des frais d'investissement. Tout à l'heure, je vais vous dire ce qu'OnPassive demande. Ce sera des frais d'inscription et puis l'activation. C'est tout et c'est rien. C'est abordable pour tous. Même un vendeur d'orange au bord de la route peut devenir ce que nous sommes en train de vous présenter. Donc, OnPassive va vendre ses produits et ces produits seront vendus sous forme d'abonnement. Les gens vont souscrire à OnPassive et vont revenir payer de l'argent à OnPassive tous les mois. Je parle ici des clients. Lorsque OnPassive va lancer officiellement aux yeux du monde, tous ceux qui auront besoin d'utiliser ces plateformes vont devoir payer de l'argent en passif tous les mois. Ça veut dire, si le premier mois en passif obtient 50 millions de clients, ces clients-là vont vous payer de l'argent tous les mois pendant toute leur vie, tant qu'ils vont utiliser les produits de OnPassive. Et si le mois prochain, on acquiert encore 100 millions de clients, ce sera toujours ainsi. Donc, ce sera de l'argent, le chiffre d'affaires de OnPassive ira toujours croissant.
Parce que non seulement il n'y a pas mieux sur le terrain en termes de qualité de produit, non seulement cela, OnPassive est une machine qui va aspirer la clientèle dans tout le monde entier. Donc, comprenez, mes frères et sœurs, que lorsque cette machine va être lancée aux yeux du monde, si vous n'êtes pas à bord, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, c'était le premier canal d'entrée d'argent de OnPassive. C'est vrai aussi qu'il y a des produits d'OnPassive qui sont gratuits. Et ça, c'est stratégique. C'est pour attirer la clientèle. Et toutes les entreprises font cela. Facebook est gratuit. Google est gratuit, n'est-ce pas? C'est juste pour attirer la clientèle. Et le deuxième canal, ce sera quoi? Ce sera la publicité. Et ça, c'est super important. Déjà, dans la vente des produits, je vous ai dit que le marché potentiel de OnPassive s'élève à plus de 4,5 milliards de personnes. Si près de 4,5 milliards de personnes peuvent acheter votre marchandise, imaginez votre chiffre d'affaires. C'est gigantesque, c'est grand, c'est monstrueux dans le bon sens, bien sûr. Donc, en plus de cela, il y aura la publicité. Et la publicité également, près de 5 milliards de personnes auront accès à la publicité de OnPassive, parce que c'est une entreprise qui va faire sa publicité dans tout le monde entier. Et ce côté aussi est très, très lourd. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons l'expérience d'autres compagnies telles que Google, Facebook. Je reviens sur ces deux compagnies parce que c'est de très bons exemples. Facebook n'a aucun produit. Facebook ne vend rien, n'est-ce pas? Votre profil Facebook, vous l'avez gratuitement. Quand vous voulez faire une recherche sur Google, vous la faites gratuitement. Mais comment se fait-il qu'on vous dise, on classe Facebook et Google parmi les compagnies les plus riches au monde? Simplement parce que ces deux compagnies ont compris qu'il faut faire dans la publicité. Et c'est ce que OnPassive va faire. Mais OnPassive va faire de manière différente. Ces compagnies, ces entreprises ont commencé tout petit. OnPassive va commencer grand. Parce que OnPassive va décoller dans tout le monde entier au même moment. Nous avons vu, par exemple, Facebook commencer dans une université. Facebook a commencé avec les universitaires à Harvard University. C'est là qu'ils ont commencé, ils ont décollé. OnPassive, c'est différent. Ce sera encore un spectre très, très étendu. Et cette publicité, nous ne pouvons pas évaluer. Nous ne pouvons pas évaluer sans faute, sans erreur, ce que ça va rapporter à l'entreprise. Parce que les chiffres sont gigantesques. On parle ici des milliers de... on parle ici des milliers de milliards. Comment on appelle? YouTube seulement, si je ne me trompe pas, YouTube seulement fait près de 50 milliards de dollars par an dans la publicité. Vous imaginez ça? Ça, c'est un seul produit. OnPassive en a plus d'une cinquantaine. Imaginez le genre d'argent qu'OnPassive va faire dans la publicité, sachant que c'est des produits de qualité et des produits viables, recherchés par toute l'humanité. Imaginez ce que ça va faire comme argent. Et j'ai dit, il y a plusieurs canaux. Je ne vais pas aller là-dessus parce que si je me mets à expliquer, il y a des informations propriétaires et je ne suis pas autorisé à mettre les informations propriétaires sur les plateformes publiques. Quand ça se passe entre nous fondateurs, je peux me défouler, je peux parler. Mais quand il s'agit d'une présentation comme celle-ci, qui va aller public, qui va aller sur YouTube, je ne peux pas tout dire. Parce que j'ai signé un contrat qu'on appelle le contrat de confidentialité, que vous allez signer aussi si vous devenez, si vous participez à OnPassive. C'est ce contrat qui permet à l'entreprise de protéger sa propriété afin que personne ne vienne voler, que personne ne vienne tricher. Donc, en plus de cela, il y a d'autres moyens d'obtenir l'argent. Et où ira cet argent? C'est à ce niveau alors que ça devient encore plus intéressant. Lorsque nous regardons les entreprises là-dehors, on se rend compte que quand les entreprises sont créées, le revenu est partagé entre quelques amis qui se sont mis ensemble pour créer l'entreprise. Facebook, par exemple, c'est M. Mark Zuckerberg et ses deux amis. Quand vous avez beaucoup de personnes qui partagent le revenu, c'est 10 ou c'est 15. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on dit que 5% de la population mondiale détient la majorité, détient 95% des richesses du monde. 5% de personnes
détiennent 95% des richesses du monde. Le gros cœur, n'est-ce pas? L'avarie, n'est-ce pas? C'est ce qui se passe. Mais en passif, voici comment ça va se passer avec en passif. Lorsque les produits, les revenus sont générés, ces revenus seront distribués aux membres fondateurs. Et les membres fondateurs, c'est qui? C'est moi. Ce sont ces leaders que vous avez vus sur ce plateau. Et ça peut être vous si maintenant vous prenez la décision de devenir membre fondateur de OnPassive. Donc, OnPassive est une entreprise d'abord, mais ensuite, OnPassive est une opportunité. Et aujourd'hui, l'entreprise vous offre le privilège, vous donne l'opportunité de devenir membre fondateur. Et imaginez un seul instant, vous connaissez ces... Prenez un peu le GAFA, les Google, Facebook, Amazon et autres, Apple, tout ça, vous les mettez ensemble. Et vous supposez que le GAFAM a lancé, que le GAFAM, c'est un tout, n'est-ce pas? Donc ça, c'est plusieurs puissantes entreprises. Considérez que c'est un tout et que ce GAFAM a lancé un jour. Et avant de lancer, on vous a invité, on vous a appelé au téléphone et on vous a dit, venez écouter ce que cette entreprise va devenir. Venez écouter ce que c'est que cette entreprise. Et à la fin, on vous a dit, est-ce que vous aimerez être membre fondateur? Et vous avez répondu, oui. Et vous êtes devenu membre fondateur d'un conglomérat de Google, de Facebook, d'Amazon, de Apple. Vous êtes devenu membre de ce conglomérat-là. Vous imaginez quel serait votre revenu aujourd'hui, quelques années après le lancement de ces entreprises? C'est ce qui est en train de se passer en ce moment que je vous parle, en ce moment que vous m'écoutez. Il y a ce géant qui s'appelle OnPassive qui est en train de vous demander de vous enregistrer comme membre fondateur de cette entreprise. Et cette opportunité est limitée. Ne pensez pas que vous allez revenir le mois prochain ou dans 3 mois ou dans 6 mois et ce sera encore ouvert. C'est juste pour quelque temps. On ne prend pas les membres fondateurs toute la vie. C'est toujours avant le lancement de la compagnie. Et nous sommes à quelques semaines du lancement de la compagnie. Donc, remuez-vous. Saisissez l'opportunité. Et si vous ne le faites pas, demain, c'est OK. Demain, vous pouvez être client. Vous pouvez être revendeur, si vous voulez, mais pour ce qui est des membres fondateurs, ils ont des privilèges fous. C'est-à-dire que le revenu ne va pas aller dans les poches d'un homme, de M. H. Moufari, mais les revenus de l'entreprise, les revenus de ce géant. Nous avons vu comment ça va brasser des milliards à travers la vente de ses produits, des centaines de milliards. Nous avons vu comment la compagnie va brasser des centaines de milliards à travers... la publicité. Et ces centaines de milliards-là ne vont pas aller dans la poche d'une seule personne, M. H. Moufari. Non, il a décidé de distribuer ces centaines de milliards à l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je ne parle pas de la population mondiale. Je parle des visionnaires. Je parle des gens comme vous et moi. Et quand je dis visionnaire, c'est parce que si vous avez accepté de venir écouter cette présentation, c'est parce que vous êtes un visionnaire. Ce n'est pas tout le monde qui a répondu positivement à l'invitation ce soir. Nous avons invité des centaines et des milliers de personnes. Mais combien sont arrivés? Quand je regarde, près de 300 personnes seulement sont venues à cette invitation. Ça, ce sont les visionnaires. Et si vous prenez un pas de plus dans votre bon sens déjà d'être de celui de visionnaire, vous faites un pas de plus seulement en vous inscrivant comme membre fondateur de OnPassive, vous aurez tout gagner. Et vous allez être parmi ceux que OnPassive va prendre en bas et élever. Ceux que OnPassive va prendre à la poubelle et mettre à la table des grands. Ceux qui sont déjà en haut, mais qui n'arrivent pas toujours à réaliser leurs rêves. OnPassive va vous donner de quoi réaliser ces rêves-là. Donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, ce soir, c'était pour vous inviter à devenir membre fondateur de ce géant. Et les portes vont se fermer dans quelques instants seulement. Nous parlons ici d'une histoire de jours ou de quelques semaines et les portes seront fermées pour toujours et ça ne sera plus jamais rouvert pour donner aux gens de devenir membres fondateurs. Alors,
comment devenir membre fondateur de OnPassive. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller vers celui qui vous a invité sur ce plateau. Si vous avez eu le lien à travers un ami, à travers un membre de la famille, à travers un frère, à travers même un groupe WhatsApp, Facebook ou n'importe quoi, retournez vers cette personne, retournez vers ce groupe. Si c'est sur WhatsApp, vous allez trouver le numéro de la personne qui a fait le post. Contactez la personne en inbox. Contactez la personne sur Facebook en inbox. Demandez-lui de vous donner le lien pour que vous puissiez vous enregistrer comme membre fondateur de OnPassive. Et quand il vous donne le lien, cliquez sur ce lien, vous allez rencontrer une page. Enfin, la page qui va s'ouvrir, c'est la page qui va vous demander de mettre vos informations personnelles. Sachez qu'il y a un paiement à faire pour s'enregistrer. Lorsque je vous ai parlé de cette entreprise, je crois que si le propriétaire de Google avait entendu parler de ceci et qu'on lui demandait d'être le seul investisseur, ils allaient racheter OnPassive sans hésiter à la hauteur des centaines de millions de dollars, sans hésiter. Mais M. Moufaré a choisi de mettre ceci plutôt à la disposition de l'homme ordinaire, comme vous et moi, et que ce soit abordable, que ce soit à la bourse de tous. 97 dollars, c'est le prix. Et si vous payez par la carte bancaire, ça va vous coûter 102 dollars. Il y a trois options. Il y a l'option de la crypto-monnaie qui coûte 97 dollars. Bon, c'est vrai, il y aura aussi des frais de transfert dans la crypto-monnaie. Il y a l'option de Cash App pour ceux qui vivent aux États-Unis ou en Angleterre. Il y a la troisième option qui est l'option que nous recommandons beaucoup. C'est l'option des cartes bancaires ou des cartes de crédit. Avec cette option, il y aura 5 dollars de plus que votre banque va imposer. Ce sont les frais de transaction que votre banque va prendre. Ça va coûter 102 dollars donc au total. Et lorsque vous avez, je vous ai dit en présentation qu'il y avait deux paiements à faire. Lorsque vous vous êtes enregistré, et dans la prochaine page, il y aura bien sûr le contrat dont je vous ai parlé. C'est ce contrat qui fait de vous un membre fondateur. C'est ce contrat que vous pouvez brandir n'importe où et vous réclamer comme membre fondateur de OnPassive. Ça s'appelle le NDA, Non-Disclosure Agreement. Ça veut dire le contrat de non-divulgation. Vous ne pouvez pas, après avoir signé ce contrat, aller, par exemple, prendre les informations propriétaires de OnPassive et aller vendre à une autre compagnie. Non, vous irez en prison pour cela. Donc, voilà, quand vous avez signé ce contrat, vous êtes officiellement membre fondateur de OnPassive. Et il vous reste encore deux choses à faire. La première chose, c'est de partager l'opportunité avec vos bien-aimés. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça ne conditionne pas votre avenir. Mais puisque nous avons cet esprit selon lequel nous ne sommes pas, je veux dire, nous n'avons pas le droit d'être heureux seuls, c'est la raison pour laquelle nous partageons et nous invitons les gens à saisir l'opportunité avant qu'elle ne disparaisse. Et bien sûr, si celui qui vous a invité n'avait pas eu ce cœur, vous n'auriez jamais eu vent de cette opportunité. Donc, partagez-la, ça c'est la première des choses après vous être enregistré. Partagez avec vos bien-aimés. Et la deuxième chose, c'est quoi? Vous allez attendre jusqu'au lancement. Et le jour du lancement, il y a un autre bouton qui va être à votre disposition et qui va vous permettre maintenant d'activer votre revenu. Et ça va coûter entre 200 et 300 dollars. C'est tout ce que vous aurez à mettre dans cette entreprise de vos poches. Donc, si on vous demande de devenir membre fondateur d'un géant comme celui-là et que ça vous coûte au total peut-être 400 dollars, mes chers amis, ceci, c'est une aubaine. Sautez dessus, accrochez-vous, mais avant cela, sécurisez votre place avant d'aller chercher à avoir les 200 à 300 dollars. Sécurisez votre position en vous enregistrant. Et quand vous êtes enregistré, vous êtes bien parti pour la liberté que nous recherchons, la liberté financière. Mes bien-aimés, merci pour votre attention. Merci d'être présent sur ce plateau pour nous écouter. Je vais remettre le micro à notre modérateur qui va nous conduire dans la deuxième partie. Leader Diegan, à toi. Merci, merci beaucoup et bravo, 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 notre cher ami. C'est fantastique. Vraiment, toutes mes félicitations pour la brillante présentation. Merci, J'allais même dire quelle présentation, que nous sentons encore une fois de plus la passion et l'enthousiasme.
Distingués invités, avec votre permission, nous allons maintenant passer à la rubrique questions-réponses.